What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc parler à propos de drones, même si ça en parle pas mal ces derniers temps, à propos et eh bien que des personnes s'amusent entre guillemets à tout simplement envoyer des drones un peu et à filmer un peu les horizons sur des villes, essentiellement Paris. Mais là on va parler, alors comme vous pouvez le voir sur par image, une sorte de drone ambulance. Il n'y a pas réellement de nom encore pour l'instant. Je vous rappelle que c'est pour l'instant qu'un concept et que ça a été inventé par le studio Argo Design qui ont bien, on va dire, voilà, ils ont bien validé comme quoi pour l'instant il n'y avait rien de qui était en production et tout, et que c'était purement un concept et qu'ils aimeraient bien, enfin en tout cas d'ici peu de temps, et eh bien réaliser ce concept là et pourquoi pas après eh bien à le commercialiser, qui est tout simplement un drone ambulance. En gros, il va intervenir lors d'accidents assez graves. Et surtout, alors comme vous pouvez le remarquer, c'est un quadricoptère, c'est-à-dire que voilà, il a quand même quatre assez grosses hélices au-dessus, et puis il a vraiment cette particularité-là, et bien d'être de ne pas forcément être piloté, enfin il n'y a pas de pilote dedans en fait, c'est on va dire c'est une conduite à distance, c'est à dire que le pilote il n'est pas dedans, et que dedans en fait il y a tout simplement et bien le médecin, avec aussi la personne qui sera grièvement blessée normalement, qui rentrera dedans, et puis après l'hélicoptère, enfin le drone plutôt, il sera automatiquement guidé pour aller à l'hôpital le plus proche. Donc c'est quand même des choses très intéressantes que je trouve. Donc pilote à distance, et puis aussi il sera doté d'un embarquement, enfin il y aura de l'électronique embarquée dedans, dont un GPS, ce qui paraît aussi logique parce que c'est quand même un drone, et puis surtout il doit se situer et tout. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Et ouais, franchement j'ai trouvé ça super intéressant ce thème là, parce que quand j'ai vu ça je me suis dit, ah ouais, il y a moyen que ça peut aussi éventuellement être commercialisé un jour, surtout que en fait c'est, on va dire, ça a beaucoup plus de plus que par exemple un simple hélicoptère ou ce genre de choses là. Déjà c'est qu'il n'y a pas de pilote, donc c'est assez léger, c'est assez rapide. En plus de ça, comme on peut voir, donc si vous voulez, les sortes d'ailes, les hélices et tout, en fait elles vont se déplier, vont tout simplement ce drone là aura la possibilité, on va dire, d'atterrir un peu n'importe où, puisqu'il sera, on va dire, assez petit. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui va en donner vraiment la peine dans certains assez gros accidents. Malheureusement, pour l'instant, ce que je vois, c'est que on peut mettre une voire deux personnes à l'intérieur, de personnes blessées. Vu le prix, à mon avis, de ce drone-là qui sera un jour commercialisé, c'est quelque chose qui va coûter très très cher et qui sera peut-être pas mis en. Enfin, voilà, ouais, il y en aura peut-être pas partout en France, quoi. Mais voilà, bon, ça reste un concept. Merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez. De me suivre sur ma page YouTube personnelle. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.